Bon, bon, bon. Eh bah, ben, re, bonsoir, bienvenue sur le stream la VOD pour du Half-Life 2. Et oui, on redit bonjour. Parce que voilà. On en était, on avait fini la ville des enfers où je me suis fait dessus plusieurs fois. Et là, on allait jouer à Bloodborne où faut descendre de poutre en poutre. Ah tiens, et je vois que mon retour mobile il a planté, donc je le refresh. Bah c'est ça un peu. Ah ouais non mais c'est ça, bourrer les points de vie et l'attaque des monstres, ça veut rien dire. Mais ça c'est aussi une maladie de JRPG. Les JRPG, c'est assez rare quand ils ont une bonne. Enfin quand la difficulté est bien pensée quoi. Je suis en train de bouger tous les trucs sur mon bureau, donc je fous des coups dans la souris sans le vouloir. Parler de Payday, de Tales of Symphonia, tout ça en termes de difficulté. Je sais pas si je l'avais dit avant le début de la VOD. Voilà, une jambe en moins, ça devrait aller. Ah, fracture importante, bon bah ça va. Crois que j'avais raté une poutre. Ah, c'est sympa en bas, dites donc. Ah oui, j'arrivais à court de munitions aussi. Attends, mais il y en a partout. Pourquoi ça m'a pris les grenades directes? Ah, c'est vraiment bien la mine, hein. J'aime bien. Hein. Fracture importante, mais le mec reste debout, c'est ça. C'est l'armure du berserk. Aïe! Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu tous mes points de vie. Oh là là. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'explosion? C'est ça qui me surprend. Sauf si elles peuvent vraiment s'agripper à ta tête et te... Ouais. Oh là là là, quoi? Attends, vraiment, il y a des trucs qui mettent la vue en jaune et voilà. J'ai l'impression qu'ils peuvent vraiment s'agripper sur ta tête ou je ne sais quoi. J'avais oublié cette petite arme. Cette petite arme amusante. Neurotoxine détectée. Toujours pas compris comment fonctionnait délire de soins là par l'armure. Et touche-le. Ah quel enfer. Le problème c'est que j'ai plus trop de balles. Ah non. Bon, je pense qu'on va devoir on va devoir utiliser notre stratégie là. Elle va s'appeler
Le pistolet qui fait pan. Oups. Ah, je me suis suicidé. Bon, ça s'appelle le pistolet qui fait pan. Ah, mais il y en a trop et ils bougent partout. Ah, vraiment, il y a trop de... Voilà, dégagé. Attendez, venez par là. Voilà, et là on peut les dégommer normalement. Il y en a encore, hein. Mais c'est elles, là, elles sont dangereuses. Putain, mais c'est horrible parce que vu que je suis en mouvement. Il y en a une, y en a une noire là-bas. Ah, ça l'a eu. Par contre, il y en a encore là. Un jeu où faut être en mouvement quand tu tires. Je les vois pas. Il y en a encore plein de l'autre côté, hein. Ah, elle a fait un demi-tour quand elle a sauté. Plus ça bouge vite, hein. Attendez, on va essayer de remonter. Oh mince! Le truc s'est cassé la tronche. Oh, mais tu les vois pas, il y a trop de ça. Il y en a trop. T'essayes d'en... C'est quoi cette zone horrible? Il oublie le lance-feu. C'est vrai. Ouais, mais je me tire tout seul. Je me suis suicidé, hein. J'ai 6 points de vie. L'hôtel allait me sauter dessus. C'est vrai que je pense pas au tir secondaire, mais... Tant pis, je meurs, c'est ça. Elles sont toutes en dessous là, si je pouvais l'attraper lui. Et là, je suis un peu sur un safe spot. Hein. Ah, dans tous les cas, je suis sur un safe spot. Mais... Le problème c'est que faut tellement de balles pour les tuer. Ah, je l'ai eu. Pas bon plan, je vais tirer toutes mes balles et je serai en PLS. J'essaye d'attraper les barils là. Et voilà. Ah. Ah mais je peux les attraper trop loin en fait. Attends. Il viendra jamais à moi.
Ah, j'en ai tué un en roulant? Non. Ah non, je suis trop haut. C'est pour ça que je peux descendre les marches. Viens là! Merci. Bon, elles sont où? Non, tombe pas, toi. Elles viennent petit à petit, c'est ça? Trois? J'ai pas vu si j'ai eu la dernière. Elle est là qui court partout. Je pense que là je peux descendre sans gros risque. Pouah, il a été vite lui. Ah, il y en a une là. Il y en a partout en vrai, hein. Il y en a vraiment partout. Trop petit ça, mais j'ai rechargé. Je pense qu'on va aller dans la masse, hein. Ah, ils sont en mode panique. Il y a de la vie. On le notera. On les a toutes tuées? Non, 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 non. Ceci est impossible. Il y a forcément une qui est en train de marcher au ralenti vers moi. Elle marche pas trop au ralenti, elle. Ah! Voilà. Elle court un petit peu vite celle-là. Et il y en a partout. Tu regardes t'en comptes 2, 3 et soudain il y en a 5, tu sais. Esquive. C'est ce que j'essaye de faire. Oh mais non, il y en avait encore une là. Attends, il en restait une. J'ai plus de balles. Ah, elle est vivante, l'ai entendu. J'ai deux balles de ça. Mais regarde, il y en a encore quatre. C'est quoi, repop? Si ça se trouve, elle repop à l'infini, hein, tu sais, comme dans l'autre zone. Attends, si y en a encore quatre après celle-là... Change de zone. Hein. On a compris qu'il fallait speedrunner. Alors elle était où la vie? Elle était là. Je crois qu'on a tout tué. Faut peut-être rush. Je crois qu'on a tout tué, hein.
Mais le problème, c'est que tu vois, derrière c'est bloqué, il y a encore plein de bestioles et tout. Je me dis, ouais, la meilleure solution, c'est vraiment de sprinter. Ah, j'ai raté. Ah, ça, on peut pas l'ouvrir, comment on l'ouvre? Elles sont en train de cramer, donc c'est parfait. On peut grimper par là. Ah oui, si j'aurais rushé, j'aurais fait ça, 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 et voilà. Mais c'est parce que nous, on est des bonhommes gaspilleurs de munitions. Comment tu meurs? On va essayer de rusher. De toute façon, j'ai pas assez de balles pour toutes les combattre. J'ai survécu. Ah, de l'eau, histoire qu'il y ait une bête marine. Ah, petite langue. Comme on les aime. Ah, je crois que t'as pas d'autre choix que de prendre ça. Ah, peut-être pas. Je peux passer de l'autre côté. 100% tu peux t'en servir pour monter en rappel et aller là. On va voir ce qu'il y a ici. Quoi? Mais j'étais sur place, comment? Comment en me retournant j'ai pu me brûler? C'est le jeu, il aime pas quand j'ai trop de points de vie là. Et s'il y a ça, c'est pas pour rien. Eh, salut. Je me suis abaissé. Bon, celui-là, tu passes pas en dessous vu qu'il descend, il redescend. Mais je sais quoi faire. Non, il est super le altab. Parce que j'ai pas envie d'utiliser les munitions, donc je pense que c'est utile. Ah! C'est parce que j'avais utilisé une balle. Non, mais là je pue la merde, c'est violent. Voilà, on attire les monstres et on recule. C'est un setup. Même maintenant, il sort encore. Ce vieux piège, quand même. Ah, il y avait encore des gens. Petit chargement. Je vais me faire éjecter d'un coup en avant. Non, c'est bon. Et salut, hein. Pendant 2 secondes, j'ai cru que c'était le retour des robots chiants, là. Ah, par contre, c'est le retour des petits crânes de mort. Qu'est-ce que c'est que cette musique, mon gars? Tu as défoncé le secret, je crois. Attends. Ah non, c'est mon arme qui fait ce bruit là. Y'a un truc là. Le monstre de mort.
capitaine qui me donne des munitions de fusil à pompe. Il est où, je l'entends? J'entends un truc, j'entends un truc galoper là. Attends, ça m'aide. C'est un pigeon? Mais non, mais je suis sûr qu'il y a un truc qui m'a touché. Le tonneau. Le tonneau m'a sauvé la vie. Attends, y a un sniper? Ah, mais tu vois, c'est ce que je disais. Mec, ils ont une aim de malade. Quoi? Ah, de face. Mais oh là là, dans la, le mec dans la. Comment je peux faire pour le shooter? Pas de balle, je me suis trompé d'arme. Quel enfer. Alors lui, il peut me toucher, mais pas moi. Moi, je peux pas. Ok, je m'attendais pas à ce que la grenade parte en ligne droite. Faut quoi le pigeon? Bah, il se balade. Il est là, il fait sa vie. Ah, il me tire dessus, forcément. Attention, fonction vitale menacée. Bon, j'ai une grenade, non? Ah, mais il faut deux balles de pompe dans la tête pour les tuer, je crois. Là, je suis un peu en PLS niveau vie. On va devoir utiliser une stratégie avancée. La palette! La palette versus un soldat entraîné qui gagne. Je me suis trompé de clic. Ah non, c'est le one shot, merci. C'est juste que je tirais mal. Bon, ça me rassure. Ça me rassure pour la suite. Salut, je fais demi-tour. Oh, c'est quoi cette arme? Et moi je veux mon pompe. Merci de me rassurer que je ne sais pas viser. Trop relou par contre pour choisir les armes.
Ah mince. Allez, le retour du défi palette. Bon ok, la palette perd. Oh, il m'a éclaté la tronche. Quoi, je l'ai pas eu. Bon ok ok, on va on va faire attention. Par contre je prendrais bien le revolver. Sur les mecs au loin là ça marche plutôt bien en vrai. Ça marche bien quand tu sais viser. Oh, le mec il est en mouvement aussi, ça me met en PLS hein. Ok donc là je vais pouvoir passer par dessus. Personne sur les hauteurs hein. M'étonnerait pas qu'il y ait un sniper aussi. Ok. Oh l'enfoiré. Ah bon, le pompe, hein, l'arme. L'arme sûre quand tu sais pas viser. Attends, y'a quelqu'un là? Ou les mecs ils savent à travers les murs que je suis là? Ah, j'en ai tué un, les autres vont suivre, je présume. Non. Ah mais c'est chelou, ils se battent contre quelqu'un là. Ils sont avec moi? Ok. Winston est touché. Soignez-le et portez-le derrière dès que possible. Sont comment mes armes là? J'ai rechargé un peu de tout. Freeman, vous avez réussi. Nous avons pu communiquer avec Alix. J'essaie de la recontacter. Suivez-moi. C'est moi où j'ai ramassé les munitions du mec à terre. Attends deux secondes, je fais juste le tour parce que... Ah, la musique est stylée, hein. Par ici, Dr. Freeman. C'est Léon, tout va bien. Gordon Freeman est avec moi. Docteur Freeman, vraiment? J'ai parlé avec Alix. Ils ont capturé son père. Par ici, Docteur Freeman. L'élivance est indispensable à la libération. Alix, c'est Léon. Gordon Freeman est avec moi. Vous voulez qu'il longe la côte? Il tiendra pas 5 minutes à pied. C'est la période de reproduction des fourmilions. C'est pour ça que je vous appelle, Léon. J'espérais que vous auriez encore la voiture de reconnaissance. Celle qu'a fabriquée mon père avec le Canonto. Ouais, bonne idée. Une seconde. Noriko, sortez le buggy et allez-le sur le dock. Gordon Freeman va s'en servir. Ok, j'ai monté un bac à munitions à l'arrière. Impeccable.
C'est bon, Alix, tout est prêt. Merci. Il a l'œil rouge. Gordon, ça fait un an que je n'ai pas pris la route de la côte. Mais elle ne doit pas être plus sûre maintenant. Une fois les trains déchargés, rendez-vous au dépôt. C'est l'œil du diable. Prenez soin de vous. À plus tard. Salut, Alix. En plus, il me regarde, là, bon, regarde. Alors, avant de vous lancer, prenez des trousses de secours et des munitions et vérifiez la carte pour mieux vous repérer. Il y a un bac de munitions à l'arrière, si ça peut vous rassurer. Quittez merci. La voiture et utilisez les klaxons. Vous vous en sortirez mieux face au fourmilion. Ah non, le retour d'un véhicule. Littoral à NLO. Littoral à New Little Odessa. Odessa, vous m'entendez? Le mec, il met un petit coup à tout le monde, histoire que tout le monde le déteste. En tout cas, Alix, elle est mieux doublée quand elle passe dans une télé en 144p noir et blanc. Avec un micro de chiasse. Il disait pas qu'il y avait des munitions à l'arrière là? Enfin, ça doit être celle que j'ai récupérée, mais... Attends, c'est déjà l'apocalypse? Allô, docteur Freeman? La voiture est fin prête. Grimpez, je vous descends vers la plage. Bien. Alors, il disait, il y a un klaxon, c'est ça? Shift, turbo, espace, frein à main. Oula! Attends, pourquoi ils se battent à coups de mitrailleuse? Y'a quoi en bas? Une minute. Désolé, Doc. Mais... Forcément! Quelle bande de chiens! En plus, ils tissent bien les touches. Et voilà, c'est mort, tu peux pas utiliser le véhicule. Et je peux pas aller à l'envers. Ah, moi je pense. Attends, tu peux la retourner? Retournez cette voiture et fichez le camp. Ah non, voilà. Ah, mais je peux la retourner. Ah, ce jeu qui aime bien jouer avec sa physique. Oh, c'est reparti, Gerbotron 2.0. Faut aller où? Commencer par parler poliment, c'est ça? Ah, ok, j'ai compris le drift. C'est par là. Je pensais que la blague c'était prépare-toi à jouer avec le véhicule et en fait non, tu vois. Ah, chargement toujours bien placé pour te mettre bien dans l'ambiance. Bah au moins la mine ça aura pas été longue. Il y a des trucs dans la maison mais même pas j'essaye. Non. Oh, j'ai vomi à cause de toi. Ah,
la magie du streaming. Il y a plein de maisons, hein, ça donne envie, mais... Bordel, le tir, il est one-shot pas, quoi, c'est pourri. Encore un hélico ? Essayez de comprendre le but de ça. Hein. Ah, gentil. Ouais, c'est moi. Vite, filez au sous-sol. On attend des hélicos à tout moment. Le colonel Cobbage sera content de vous voir en vie. Attends, c'est moi, on a rushé la zone comme des gros porcs, donc... Donc voilà, il s'est rien passé. Attends, je fais le tour, hein, parce que là... Ah, bonjour. Un moment. Alors, où en était... Oh, il est stylé. Ah oui. Utilisez le guide laser pour orienter les roquettes au-delà des défenses de l'hélico et l'empêcher de les détruire. Ça va l'énerver au début. Mais si vous survivez assez longtemps pour le toucher plusieurs fois, ça vous fera un beau trophée de guerre à mettre sur la cheminée. Alors, qui est le petit vénard qui va le porter au combat? Ah oui, Gordon Freeman. Je n'aurais pas trouvé meilleur volontaire. Colonel Odessa Cubbage, à votre service. Hélico ! Ça fait ripopette. Je préviens tout de suite le poste phare, puis je reviens vous aider. C'est lui, là ? Ah! Je pensais qu'une fois le laser placé, c'était bon, tu vois. Ça va être lourd à tirer dedans alors. Faudrait se rapprocher alors. Parce que vu qu'il fait que de bouger, j'ai pas beaucoup de munitions en plus. J'en ai encore deux. Ah. Ah non, c'est trop relou, il est en mouvement, quoi. Ah si, elles sont têtes chercheuses. Ah, mais j'ai plus de munitions. Il y en a un. J'en ai vu plein. Et je pense pas que je les ai ramassés parce que... Parce que voilà. Que j'avais pas l'arme. Ah merci. Non, c'est pas Dragon Quest. S'il est au-dessus de moi. Il est où le coco?
Mais elles sont pourries tes munitions, il y a des moments où elles partent vers le bas. Des munitions. Merci. Rentre. Je sais pas, t'as quelque chose. Attention. Des munitions. T'as pas des munitions? Des munitions. Ah, merci. C'est bon, on est copains. Un truc que j'ai pas dû comprendre là. Un truc que j'ai pas compris. A chaque fois les munitions elles faisaient en fait non. Ils partent tranquillement et à la fin font non, j'ai pas envie en fait. Bah ben voilà. Alors je veux bien, j'ai tué un hélico, mais maintenant. Tiens, il y a quoi là-haut? Une radio. Ok, j'ai ma vie, j'ai des machins. Bon bah c'est bon. Quartier bouger le viseur. Non bah je pensais qu'il fallait suivre l'hélico. Mais je sais pas, il y a des moments où quand je le bougeais, il bougeait. Je comprends pas trop. J'essayais de laisser le laser sur le truc quoi. Ah, pas mal. Ça marche bien ça. Ouais, je pense aussi, mais il y a des moments où quand j'allais vers la droite, la roquette allait à gauche, ou quand je bougeais pas, elle faisait tout droit puis gauche, enfin c'était bizarre. Et il y a un moment où il y en a une qui a fait tout le tour de l'hélico, quoi. Genre elle est passée devant l'hélico, puis elle a fait un 360, enfin tu sais, elle a détourné, elle l'a touché par derrière, ça voulait rien dire. Ah! Attends, j'ai cru voir de la vie. Ah, toi tu décèdes. T'inquiète pas. Voilà. Ah non, il y en avait encore là. Attends, j'ai plus de balles. Ah non, il voulait juste pas tirer. Ah voilà, comme ça on est full armure. Oh non, j'ai noyé la voiture. Ah, il était mieux l'aéroglisseur. Ah, bon bah on va descendre, hein. C'était pas bon plan de faire ça. Pas besoin. Oh purée, j'ai dégagé. Machin me pousse quoi.
Y'en a trop. Des ennemis en plus. Hémorragie détectée. M'étonne qu'il m'ait donné autant de vie. Mais vise mieux. Au lieu de mal viser comme ça, bordel. Ah là là. Ouais, c'est ça, avec l'aéroglisseur, tu pouvais en V1 l'hélico. Là, t'es en PLS contre des fourmis, ça veut rien dire. Ah, je vois pas le pointeur. Bon, j'ai réussi, mais... Ça va, ils sont gentils, ils donnent de la vie en masse là. Ah! Quoi? Ah, il doit y avoir une utilité, laquelle? Voilà. Un V1 grue. Pardon. Mais c'est génial. Avec la musique et tout. T'as l'impression de regarder une série américaine, la grue de l'extrême. Personne derrière? Non, c'est bon. Ah, le mec, il s'est pris un coup, il s'est fait... Maintenant, on l'appelle Nutella, le mec. La physique de 2004, c'est ça. Bon, y a encore des mecs à l'intérieur. Mais... ça sert à rien. C'est de la chiasse cette arme. C'est bon, il est mort. À lui par contre. Pourquoi je recharge? C'était en mode il y en a plus, j'ai rechargé, voilà. Serpent de base. Ok, à quoi ça service? Ah, je peux pas prendre le véhicule. Hein. Ah, peut-être que. Non, j'ai monté une échelle. Si ça aurait été des marches, j'aurais été chercher la voiture.
ça ne l'atteignait pas, c'est sûr. Avec la grue. Oh, pas bête. Pas bête la guêpe. Ils vont pas venir. Cible 1, indiqué. Attaque, attaque, attaque. Hémorragie détectée. Bon, par contre, j'y vais en mode mongol, c'est pas bon. Et full lui et rusher comme ça, c'était vraiment pas mon plan. Je me suis dit, si je fais vite et que je les tue, ça va. Et vu que je fais pas vite et que je les tue pas, bah, tout le monde me plombe pendant que je saute partout comme un lapin. C'est juste le tour et on ramène le, on voit si on peut ramener le véhicule. Parce qu'en vrai, il y a plein, tu vois, ça c'est un tremplin pour, on est d'accord. Hein, tu te ramènes à fond, tu pètes et tu roules en ville. Ah, il est vraiment invincible, d'accord. Faisait pitié à être assis. Recule, retour. Étrangement, on peut l'attraper. Enfin, il y a un bouton pour attraper les objets. On peut l'activer, ça? Là. Oulala, oulala, il y en a un peu trop là. Ah, elle vole super haut d'ailleurs. Ah là, là-dedans je suis invincible je pense. Crazy, il a toujours des idées de génie. Non. Je l'avais détaché. Trouve les pires setups. Et ça marche. El Chizo. Voilà. Ça devrait être bon. Elle a un peu un pneu dans le sol, mais c'est pour ça qu'elle marche pas. Ah voilà. Attends. Quoi?
D'habitude, elle fait juste un petit pas sur le côté, et là, par contre, je suis sûr qu'elle est retournée tout là-bas. On va recommencer. Et l'autre, il est mort. Quelle voiture de chiasse. On va faire ça. Hein. Tu touches pas. Hop, elle est en cours. Le marathon. Voiture, tu veux l'aider, elle se ramène, elle fait non. Je fais toute seule. Ah là, je la lâche de plus haut, comme ça on évite le bug. Ensuite, on relève le truc. Et on fait ça. Ah là, là, il n'y a pas d'embrouille. Merci. En plus, on va pouvoir combattre les soldats avec. Parce que j'ai vu qu'on était fou. Oh, j'en étais sûr, elle passe pas. Mais quel véhicule de mort. Non, dis pas, je peux pas la. Et tu peux l'attraper. Non, pas celui-là. Voilà, tu la ramènes de l'autre côté. Voilà. Elle a l'air fonctionnelle. C'est bon? Est-ce que j'ai appuyé sur l'autre truc là? Normalement oui, mais on va vérifier. Oui, c'est bon, il est allumé. Bah voilà. C'est tout. Ce véhicule, mon gars. Faut se battre pour le garder. Hein. Et voilà, on repart à l'aventure. Oh non! Ah! Il va rouler au visage. Passe, 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 t'inquiète, la physique 2004, toi-même, tu sais, allez. C'était magique. Ah, le petit chargement, ils les ont tous planqués dans les tunnels. Hop, et ça fait un 360 parce que tu sais pas pourquoi. Thank you.
c'est le jouet de l'autre. Il a volé aussi loin. Ah non, il y en a plus d'un. Ah, ça s'est agrippé au véhicule. Ah, faut le détacher, je suis en train de perdre de la vie. Il m'a fait... Je crois que c'est... Je crois que c'est le petit truc qui s'est agrippé sur... sur le véhicule qui m'a pourri pourri les directions. On a eu la bad ending hein. Ce jeu il est génial quand même. Pas de piège. Ah si. Descendre à pied. Bon bah tant pis hein. Quoique. Non. Allez, qui me tire dessus. Je vous attends. Ah non, il y en a qui faut bien deux tirs quoi, ça dépend de la couleur du casque. Donc faut que je fasse des clics droits. Qui me tire? Au-dessus du toit, d'accord. Ah ouais, plus les explosions, d'accord. Meurs, 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 merci. L'idée de s'enfermer dans un trou à rats comme ça. Ah, l'autre qui s'est pris le boulet. Mais attends, tu peux les péter ces trucs là? Ah non. Ok. Ah là c'est un peu... t'as aucune zone safe. Faites, merci. On va éviter de trigger les mecs. Il est toujours là-dessus lui? Ou il avait sauté la dernière fois? Ah je les ai entendus, je les ai activés. Il va y avoir moyen de les détruire ces trucs là-bas là. Ah! D'accord, ils ont des grenades. La pire aim. Oh là 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 là. Fonction vitale menacée. Assistance médicale requise. Eux là, je veux... Non mais ce que je veux voir moi c'est les petits robots là. Il va jamais péter le truc, je suis en dessous, je suis en train de tirer toutes mes balles, merci. Nice. Ah il est, bah parfait. Ça va, pas trop mal au genou. Ah d'accord, ils se sont suicidés. Ah par contre c'est un peu chaud là. Il y a des mecs partout et je joue comme un singe.
tête. Oh là là, quelle horreur. Voilà. D'accord, on entend le même bruit. Ok, j'ai pu regagner de la vie. Tu as une boule avec ton fusil d'assaut? Oui, mais le problème c'est... Là les mecs ils sont empaquetés. Attends, faut que je le regarde si je peux les péter ces trucs là. Juste avec des tirs classiques ou des machins. Ah, je me disais. Voilà! C'est comme ça qu'on fait. Machin qui te colle là, hein. Je crois pas que tu puisses les tuer ou faut vraiment vider ton chargeur dessus. Hein. Parce qu'à chaque fois il se désactivait, il se réactivait après. Bon, avec une explosion machin, mais cher payé. Hein. Combien de balles de fusil à pompe ça va hein. Là c'est deux, d'accord, c'est la même bâtisse. Là je peux continuer. Faut juste que je désactive ça. Ça qui l'active. Attends, je suis curieux d'un truc. Non. Ah, je suis déçu. Oh, je suis tellement déçu. Vers l'infini et l'au-delà. C'est ça. Pendant deux secondes, je m'attendais à ce qu'il arrache tout, tu vois. Pourquoi ça me repousse? Attends. Simulation. D'accord, il y a un mur invisible. Un checkpoint. Spoiler. Le chargement. Ah, il y a encore l'hélico. Ah. On descend, descend, descend. Se poser un petit peu. Voyons voir les environs. Là-bas, je peux rusher. Non, il y a un rocher. Ok. Si je peux passer à côté, je pense foncer en ligne droite. Il y a la ville là-bas, mais il y aura une raison d'y aller, je présume. Sinon, c'est que des ressources. J'ai l'impression qu'il est parti. Il y en a un qui me tire de... qui essaye de me tirer dessus, c'est qui me voit.
Pourquoi ce point rouge là? À travers une vitre. En face déjà. Calme-toi. Là-bas. Ah, par contre j'ai perdu vachement de vie. C'était stupide. Celui qui m'a rush qui m'a arraché je pense. Avant ça allait. Puis il a trouvé le point faible. Ok. Forcément une bonne raison de prendre des risques comme ça. Ok. Non. Ouais, il y a le poste de contrôle là-haut. Ah, il y a un zombie en bas. Un possédé. Celui qui balance des crades noirs. Pourquoi j'irai en bas? Tout en bas, il y en a, hein. Il y en a même vraiment là, quoi. On en a vu un. Ça veut rien dire. Quoi? Mais qui m'a touché d'ici? Mais il y en a un, il s'est ramené, il a fait toi je t'embarque avec moi vers la mort. Ok, je m'approche plus d'Herbor. J'ai compris. N'observe pas le jeu, c'est lui qui t'observe. Par contre, il y a un pont. J'aurais pu continuer ma voie sur la route. Faire ma vie. 100% c'est bloqué en haut. Et là, il y a un chargement, ce qui dit que c'est la suite. Ah, il y a peut-être l'hélico si tu vas en haut sans rien faire. Parce que là, c'est clairement des armes pour tuer l'hélico. Paraît trop calme hein. Pour le moment. Le jeu il est un peu trop généreux. Ok. Il veut que je saute là. Ok. Allez. Face à la mer. Ah là je saute pas par contre, faut pas déconner. Putain c'est énorme hein. Avec les secousses et tout, des trucs qui passent au-dessus. Que je trouve énorme avec avec Half-Life hein. T'as pas besoin de texte, t'as pas besoin de machin et pourtant le jeu il te met dans une ambiance. En plus il est tellement poussé dans ses idées. Quand tu doutes tu peux faire quoi en fait. Oh mais j'en peux plus de lui. Thank you.
Oh! L'arbalète. Vas-y, monte ta tête. C'est tout. Bientôt le let's play Link, Link's Crossbow sur Switch, sur Wii. Ah, c'est la même console. Donc là, je suis obligé de passer par en haut. Ok. Là, il y a un passage là. Il y en a un là. Après, en vrai, hein. En vrai, pourquoi s'embêter à se dire je vais passer par là? Alors que tu peux aussi marcher sur les poutres. Ça c'est énorme. C'est basique, c'est machin. Dégage. Ah, je l'ai raté. Il y en a un deuxième. Je sais pas où il est. Il est tombé dans lui. Ça se peut aussi. Je peux passer pas par là. Un crabe caché. C'est trop bien ça. Cache-cache au loin. Des soins. Bon, pour le moment il n'y a pas eu de soucis quoi. Pour le moment. Ah, je peux descendre en bas. Pourquoi je descendrai en bas? Ah, pour rien. Si je veux descendre tout en bas peut-être. Si je veux sauter. Ça doit être drôle cette phase-là, IRL. Forcément, quand je me dis il va y avoir un crabe, pourquoi je pue la merde comme ça? Voilà, ils ont tout balancé. Ah! Ah non, j'ai jamais réussi à faire ce que je voulais. C'est parfait. Bon. Ah mais c'est relou, le pompe il est one-shot pas même... Même dans la tête. Ah non, faut que je fasse plus attention. Ok. On va prendre ça. Ah, je fais de la chiasse. Vas-y, tue-moi, j'accepte. Je sais ce que je vais faire. It's time to be stratégique. Arrêtez de foncer. J'ai entendu dire grenade. Je sais pas s'ils l'ont détourné. Voilà, foncer comme un gogol, ça marche pas. Surtout si c'est pour rester planté pendant la fusillade au milieu. Encore un en haut là.
est mort? Peut-être. Voilà. Je pense qu'il y en a encore un. J'essaye l'autre arme, celle-là. Donc ça c'est des barils explosifs, d'accord. On va la prendre. Elle a l'air bien. Tellement bien. Qui me tire dessus? C'est l'hélico qui est juste au-dessus, d'accord. Oula, 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 oula. C'est pas que je veux pas ne pas le combattre. C'est que j'ai peur qu'en essayant de tirer une grenade, elle m'explose à la tronche à cause des morceaux de vitre. Je fais ça, je me barre et je vais dehors. Dans le 1v1 à l'extérieur. Ah non, là j'ai pas bougé, elle a fait un demi-tour. Tu vois, elle a été tête chercheuse. Je comprends pas la... Ah, j'en ai plus. Je comprends pas la logique. Il y a l'hélico là sur le pont, donc ça va être chaud. Après, il y a pile poil comme de par hasard. Hein, machin. Plouf. Bon, c'est activé. Bon, bah, demi-tour. C'est où? C'était par là. Par là, on saute. Hop. Essayer de speedrunner. Ta 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 ta. Ah ouais, là ça va être dur de speedrunner par contre. Ah, c'était là. Je pouvais pas sauter. Ah, je pourrais essayer Saiyan, tirer plus haut, enfin vers le ciel, comme ça s'active avant de le chercher. Thank you.
Mais est-ce que le jeu il pensera comme ça? Ah c'est ça, dans d'autres jeux c'est comme ça. Je suis bloqué dans rien. Je l'avais même pas vu lui. C'est l'échelle, s'il te plaît. Quoi? Oula, 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 c'est un petit peu. Un petit peu étrange. J'ai l'impression que de temps en temps on m'attrape par le col. Et dans d'autres moments. D'autres moments, j'ai l'impression que. Personnage s'envole, c'est chelou. C'est ultra chelou. Et là-bas, il y avait des munitions pour le lance-roquettes, donc attends. On va tenter la théorie. Il tire sur les roquettes. Donc ouais, je le dirige avec le laser. Mais il y a des moments où quand je suis dessus, il va pas. Il cherche pas quoi. Il va. Peut-être que s'il tire dans une roquette, ça le dévie. Tout simplement. Ça dévie la roquette. Ça expliquerait pas mal de choses. Ah là, là je l'ai eu. Là je l'ai re-eu. Ok, j'ai compris le délire. Ah, il m'a repoussé l'enfoiré. Ah, et là il y a des munitions à gogo. Bon, il est mort. Voilà quand on comprend. Je pense vraiment que c'est quand il tirait dedans. Quand il tirait dedans, ça faisait pivoter mon tir obligatoirement. Ça devait le biaiser. Parce que quand il était tête chercheuse, il cherchait à tirer dedans. Et quand il partait en live, il me tirait dessus direct. Non, il cherchait pas. Je pense qu'il cherche à le toucher une fois. Une fois qu'il l'a touché, il te mitraille la tronche. Oh là là, ouh là là. Aïe. Ça c'est super chelou par contre. Pas bah, tu diminues pas ton élan, tu t'arrêtes net en l'air si tu fais rien. Merci. Qu'on a désactivé un truc. Ce qu'il veut dire qu'on peut remonter. Par contre l'autre côté Attends. Je crois qu'il y a un truc qui m'attend derrière la porte. Oula oula, il y a un plus. Bon, je pense que j'ai pas le choix que d'avancer. Allez, pire truc, hein. Moi qui ai une phobie des bestioles, là.
que ça fasse bien le bruit des ailes volantes. C'est ça. Oula oula oula. I don't want to décéder maintenant. Donc je me casse. Allez, salut. J'ai tenté. Ok. Non, ça passe. Ah ! Je vais mourir d'accident. Non. C'est ta faute. En fait, à chaque fois qu'ils sont à la bourre, c'est parce qu'il y a un gogol qui roule en sens inverse, comme ça, il roule sur les rails. Tout ce que je voulais, c'était une petite trousse de soins. Abandonné par terre. 100% safe. Hein. Petit chargement. Piège de sable. Ah, ça, ça a l'air d'être une bonne zone. Alors déjà il me faut de la vie hein. Désolé mais petit OST comme on l'aime. Alors là c'est la zone où je vais claquer toutes mes munitions je pense. Il y a un petit crabe qui me regarde. Ah, pas besoin de toutes les claquer quand j'en ai plus. Oh non, il y a le monstre chelou. Il est mort. Allez, salut. En vrai, je pouvais rusher. Là, j'aurais dû en profiter pour voir s'il n'y avait pas des objets ou autre. Salut hein, la maison. Toi t'es une maison au pif. Y a rien qui te relie au reste. Autant l'hôte ça puait la base. Ben voilà. Je devrais m'arrêter pour me soigner mais
pense que là le jeu il est pas mal. Oula. Nul le barrage. Les mecs ils ont juste fermé un vieux truc en bois là, ils ont fait c'est bon. Il a contourné des champs de force mais ça jamais il y arrivera. GG les ralentisseurs. Ok, faut trouver comment on ouvre ça. Oh bon, de la vie, ça, ça fait plaisir. Ça a l'air d'être une sorte d'énigme, non? D'accord. Ok, non, il faut trouver les trois batteries. Mais il y a des mecs qui arrivent. Ça non. Bon, comme de par hasard, les deux premières sont côte à côte, la dernière elle est dehors, c'est ça, entre les hélicos. Moi je l'ai pas vu. Mais je doute que ça soit si facile. Ah, il y a des gars qui arrivent. Mais non, il est pas mort. Oh là là. Non, qui est là, je crois, je l'ai vu. Non, c'est un objet. Ok, l'hélico il a juste laissé des gens. On va pas trouver une batterie. Bon, une batterie. Ça m'étonnerait pas qu'on trouve ça dans une voiture. Vu le jeu. Une entrée là. De toute façon, ça fonctionnera pas. Il nous faut une batterie. Yo, Ethnofake. Tu vas bien? Ah, voilà. Bah, nickel, nickel. Là, on avance tranquillement, tout se passe pour le mieux. On a notre petite voiture, notre buggy. Et voilà. Bon, j'allais sûrement pas tarder à couper. Il va être 3h du mat, 4h de stream. J'essayais juste de voir si ça menait à quelques... Enfin... S'amener à quelque part. Il ne sait plus parler. Mais ton PC est cassé. Qu'est-ce qu'il a eu ton PC? C'est un gentil ça. Bien joué. On capte un signal radio, il cherche votre voiture. Problème de carte mère. Ah. Carrez-vous dans le garage. Je présume celui-là. C'est pas un garage ça. Garez-vous dans le garage.
ça, c'est une entrée, c'est pas un garage. Ah si. Ah oui, non, d'accord. Ok Doc, va falloir continuer à pied. Il y a un chemin secret par la fenêtre. Je voyais pas le dessus. Avant d'avoir contré cette attaque. Vous avoir à nos côtés pendant le combat, ça va requinquer les troupes. Ah non, je suis complètement KO. Voilà le vaisseau. Le garage du futur. On joue RP, on fait comme les autres. Oh, c'était un allié. Un vaisseau, il arrive sur la route. Mais... Ah oui, d'accord, ils me suivent en fait, les mecs. Oh, son pif à lui. Attends, mais dégagez, les mecs. Pas rentrer dans la bâtisse, ok. Je crois pas que j'ai des... Super, le mec il utilise le pompe au loin. C'est vrai qu'il y a ça. Tu me conseilles de direct Half-Life 2 ou de faire le 1? Bah les deux se font très bien. Moi je te conseillerais de faire le... Tu peux faire le premier puis le 2. Moi j'ai pas eu de soucis, j'ai fait comme ça. Après le 2, je trouve qu'il a un délire plus poussé, mais vraiment, tu peux faire le premier tout comme le deuxième. Et vu que le 2, c'est la suite directe du premier, tu peux... Enfin, tu vois, c'est mieux de faire le 1 d'abord, mais pourquoi je fais le mongol comme ça? Trousse de secours. Oh, les IA. Ah bah merci, il est mort. Et voilà, je pense que tu peux clairement faire le deuxième si t'as pas fait le premier quoi. Ouais c'est ça, tu vas faire d'abord le 1. Je peux rentrer là-dedans. Je voulais voir s'il y avait des munitions, des trucs. Après je trouve que le 2 il était vachement en avance sur son temps. Là je le découvre. Le jeu il a pas pris de rythme quoi. Il y a juste les vieux chargements entre les zones. Ah mais il y avait des roquettes. Un stupido. Ah. Enfin technicien. Je récupère mon PC, je joue. Il faut vraiment que j'aille dormir. Algarin Model Half-Life, je connaissais pas. Ok, bah moi je sais juste que c'est une licence culte, etc. J'avais testé le premier un peu au pif, parce que je joue très peu au FPS. Ça se voit sûrement à ma façon de bouger, je sais pas.
Ouais, ma façon sans viser. Je voulais rentrer. Ah oui, d'accord, j'ai eu le temps de rentrer, de ressortir, la roquette elle a fait demi-tour. Tenez, soignez-vous. Si tu veux. Prenez une trousse de secours. Ah, tu joues à Call of? Ouais, moi je joue vraiment pas du tout à des FPS. C'est juste j'ai fait le premier Half-Life justement pour me faire un FPS tout ça. J'avais vraiment bien aimé l'ambiance, le rythme, tout ça. Surtout le rythme. Trousse de secours, vous trouverez les munitions pour votre lance-roquette au phare, Freeman. On est au phare. Je vais pas te mentir que je connais pas du tout les les classements de code. Ah oui, c'est vrai, faut taper dessus pour les... Voilà. D'accord, d'accord. Ouais, c'est ça, c'est si je tire dedans, je perds directement ma munition, quoi. J'avais pas vu la vitre. Bon, par contre, ouais, je vais stopper là, je suis complètement mort. Je suis en train de m'endormir. Je vais sauvegarder. Désolé si j'étais un peu ailleurs hein, sur la fin. J'ai l'impression qu'il y a 10 fois la sauvegarde. Ah, ça c'est les sauvegardes auto. Attends, il y avait une sauvegarde manuelle dans le tas, non? Voilà. Vous avoir à nos côtés pendant le combat, ça va requinquer. Bon. Oh la vache. Bah moi je vais vous souhaiter une bonne nuit. Merci d'avoir regardé en tout cas. Voilà voilà. Et je vous dis à la prochaine. Hop, je vais couper. Bonne nuit, merci beaucoup, toi aussi. À vous aussi, les gens du chat. Et hop, à la prochaine.